regardez-moi ça. Elle a l'air mignonne, la petite. Toi aussi? Avant. Alors, je suis vraiment désolé d'avoir abîmé vos visages, mais compte tenu de la situation dans laquelle vous êtes, c'était très important. Alors, vous devez vous demander pourquoi un homme tel que moi vous retient prisonnier ici contre votre gré. Disons que nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle qui va m'apporter prospérité et pouvoir. J'ai donc décidé d'être un autre homme et m'amuser un peu. Marco. Nous avons tous la chance de devenir quelqu'un d'autre. Et vous aussi, j'espère juste que vous allez prendre goût à ça. T'inquiète pas, jeune fille, ton sort sera quelque peu différent. Et peut-être que là, la douleur sera source de plaisir aussi pour toi. Enlevez-y son baillon. Je l'entends crier. Putain, mais t'es vraiment conne. À un moment donné, tu vas réussir à te buter. Je vois pas pourquoi c'est toi qui l'aurais tout le temps. Joseph a dit que ça tournerait pendant les tours de garde. Mais tu n'en as jamais fait aucun. Et mais sérieux, tu réfléchis à ce que tu dis? Non mais t'es débile. Oh, ou quoi? C'est quoi ce bordel là? Madame Alice s'est mise en tête d'utiliser le flingue. A jamais fait rien du tout. C'est sûr que c'est pas en le regardant de loin que je vais apprendre à m'en servir. Ouais, bah au moins ça éviterait que tu te fasses mal. Oh, mais vous arrêtez là? Vous croyez vraiment que c'est important? Anna et Paul sont pas encore rentrés. Et vous, vous vous prenez la tête pour un putain de flingue? C'est Sam qui prendra ce flingue. Parce que c'est lui qui sait le mieux s'en servir. Au prochain tour de garde, il vous expliquera comment on fait. Pour le moment, vous prenez vos affaires, on va chercher les autres. Quoi? Tout le monde? Je pense qu'avec ce qui s'est passé hier, Nathalie et Emma souhaiteraient rester ici. Elle a pas tort. Je pense qu'on devrait y aller en petit groupe. Ce sera plus discret. Je vais rester avec elle. Vous, allez-y. Moi aussi, je vais rester là. Vaut mieux qu'il y ait un homme qui reste avec les filles. Ce sera moi. Très bien. Sam, on part dans 10 minutes. On devrait le choper. Joe? Entendu. On va le prendre en tenaille. Ben, tu viens avec moi. Sam, en silence. Pas en silence. Comment tu t'appelles? Nicolas. Ok Nicolas. Moi c'est Joseph. Où est-ce que tu cours comme ça? T'as l'air pressé. J'en sais rien. Menteur! Calme, Sam. Calme. Écoute Nicolas, on n'a pas l'intention de te faire du mal. Mais si tu commences à nous prendre pour des chèvres, tu vas nous y forcer. Tu comprends?
Oui. Bien. On recommence. Où est-ce que tu cours comme ça? J'en sais rien, je vous jure. Mais fous de notre gueule! Sam, arrête! Faut bien qu'il est taré! Aussi taré que moi? Ça va! Ça suffit! Recherche une femme, brune, dans les 30 ans. Et un homme de petite taille d'environ 25 ans. Grégory, j'ai rien fait! Qui c'est ce Grégory? Il détient nos deux amis? Oui. Conduis-nous jusqu'à lui. Je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Il me va me tuer. Oh, mais nous aussi on va te tuer. Si tu fais pas ce qu'on te demande. Je sais pas de quoi il est capable. Je savais pas à qui vous avez affaire. C'est vrai. Je ne sais pas à qui j'ai affaire. Et je ne sais pas de quoi il est capable. Mais laisse-moi te convaincre de quoi ce gros nounours-là est capable. Il va commencer par te broyer tes deux bras, puis tes deux jambes, pour plus que tu puisses bouger. Ensuite, il va t'arracher la langue, pour plus que tu puisses parler, ni même crier. Enfin, il va t'accrocher à l'arbre, là, et tu vas te retrouver tout seul, comme un con, jusqu'à ce que ces saloperies viennent te bouffer. Et crois-moi, ils vont pas attendre que tu meurs pour te dévorer. Oh, ça non. Imagine la douleur. Leurs dents qui transpercent ta chair. Pitié. Alors c'est vrai, Nicolas. Je ne sais pas à qui j'ai affaire. Mais ce que je sais, et c'est avec certitude, c'est que si tu ne nous conduis pas, Fissa, jusqu'à Grégory, tu vas vraiment passer un 7 quart d'heure. Pitié. Arrêtez. Je vais vous y emmener. Tiens, il bégaye plus. J'espère qu'ils vont bientôt rentrer. J'aime pas quand le groupe est divisé. Ça va, ça aurait pu être pire, non? Tu trouves que la situation n'est pas encore assez dramatique comme ça? On a perdu nos travails, nos familles. Et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est que ça pourrait être pire. Ta mère t'a sauvé la vie hier. Tu l'as même pas remarqué. Elle fait des efforts pour toi, tu le vois même pas. Non mais de quoi je me mêle? Tu me connais pas, tu nous connais pas. Je te connais assez pour voir quel genre de fille t'es. Mais je t'emmerde, laisse-moi tranquille. Tu changes de langage, s'il te plaît. Hein. Quoi, mon langage? Qu'est-ce qu'il a, mon langage? Et puis je te connais pas, alors tes sons morales, tu peux les garder. Maintenant, comme tu l'as si bien dit, on a tout perdu. Alors si j'ai envie de te dire que je t'emmerde, eh ben je le fais. Tu piges? Hé hey, ça suffit les deux. J'en ai ras-le-bol. Fermez-la. Excuse-moi, je pensais bien faire. Il est trop tard pour faire de bonnes choses. C'est là qu'il se trouve. Oui. Il est sûrement pas seul. Combien vous êtes là-dedans? 4. En te comptant toi et Grégory? Oui. Ça me paraît peu. C'est la vérité, je vous jure. Il vaudrait mieux pour toi. Et comment on rentre là-dedans? Ils sont là! Pour les petits enculés! Vous voulez savoir comment on allait rentrer là-dedans? À la manière forte. Que mon prénom à moi c'est Grégory. Ma mère m'a donné ce prénom pour que tout le monde m'appelle comme ça.
prénom, c'est important. Un prénom, ça construit une personnalité. Tu comprends ça? Y a rien de plus crétin que de donner des diminutifs aux gens alors qu'ils ont des putains de prénoms. Grégory. C'est bon ça, Grégory? C'est noble, c'est grand. Alors que Greg, c'est petit. Voilà. Je suis désolé, je voulais pas.